Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation avec ici mon Peugeot 103 LVS de 1976. Alors pour ceux qui ont suivi l'achat et on va dire la micro-révision qu'il y a eu à faire sur 103, voilà comment il est ressorti. Dans un état franchement nickel. Vous aviez pu le voir au redémarrage, il avait aussi démarré d'une facilité assez déconcertante. Et bah pour être venu avec ici vous faire cette vidéo, ici au milieu des cailloux, j'ai choisi un peu ce décor, vous voyez, avec de la caillasse. Je trouvais que ça allait bien avec les couleurs beige. Donc voilà, je peux vous dire qu'il marche plutôt pas mal, mais ça sera dans une autre vidéo essai. Alors il fait beau et chaud, mais j'espère que vous allez m'entendre. Alors pour la petite histoire, le Peugeot 103 a été produit de 1971 à 2017. Il y a eu plusieurs modèles, dont ici celui-ci qui est présent. C'est un 103 VS, comme indiqué sur la plaque mine que je vais vous faire voir. Hop, voilà, 103 VS. Mais comme on a 2-3 accessoires supplémentaires que je vais vous expliquer, on a en fait ici un 103 LVS. Alors le 103 VS, V pour variateur. Et ce qui est assez énorme, c'est que sur ce modèle, c'est écrit ici derrière variateur. Le S pour suspension. Donc jusque là on est tout bon sur la plaque mine. Pourquoi on rajoute le LVS et que c'est pas écrit sur la plaque mine? C'est juste deux options qui font que le L veut dire version luxe. Luxe parce qu'on a un garde-boue chromé à la place d'un garde-boue peint couleur beige et qu'on a l'option du compteur. Avec son réservoir de 3,7 litres ici présent, pour un poids total en ordre de marche d'environ 48 kg, le Peugeot 103 permet une vitesse d'environ 45 km/h, bridée car c'est la norme française à l'époque. A savoir qu'avec quelques petites modifications au niveau de l'embrayage, l'échappement, etc., on atteignait facilement des vitesses entre 60 et 80 km/h et après bien au-delà, mais là on n'est plus sur un moteur d'origine, on est sur des kits. Allez, je vous le tourne pour faire un point de ce côté sur ce 103 LVS. Je vous le rappelle, hein, c'est pareil, si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous savez que ce Peugeot 103 est un full origine. Tous les numéros correspondent, les jantes, le carbu, les suspensions. Cela veut dire que c'est un matching number. On est bon, on est vraiment sur un Peugeot 103 full stock, vraiment full stock. Rien n'a été changé, toutes les pièces sont bien de 1976. Et un autre détail très sympa, c'est ici cette petite plaque qui était mise ici sur le boulon avec le nom et l'endroit où était le premier propriétaire de cette machine. Avec moi, cela fait une deuxième main sur ce Peugeot 103. Allez, voilà les amis, je pense vous avoir tout dit sur mon Peugeot 103 LVS. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'essayer et je pense que comme moi, vous êtes impatients. En tout cas, je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao !